إن الحمد لله en réalité tout mérite tout grandit à pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ma sha Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Ça qui Allah fin et na sa volonté là-dedans fin arrivé. Ça qui Allah fin et na sa volonté là-dedans fin arrivé. Wa ma lam yasha lam yakun. Et si Allah pas fini na sa volonté là-dedans, pas fin arrivé. Shaitan li ina capacité pour bin faire un djimoun dormi. Quand Allah a sa volonté, il sauve la proie. Les là, djimoun la mort sur rendez-vous. Shaitan li ina capacité pour faire un djimoun dormi, ou bien pour faire un djimoun oublier, ou bien pour égorger un djimoun. Mais faut dire Allah ina sa volonté pour sa créature qui appelle Iblis là. Sous volonté qu'Allah il permet lui capable d'opérer dans une autre créature. Dans des grandes places, Allah dit sa cause là. Moment je le dis, dans Surah 58, ayat numéro 10, et dans Surah 2, ayat numéro 102. Dans Surah 2, ayat numéro 102, Rabbul Alamin dit Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire et dans Surah 2 ayat numéro 110 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. C'est pas Sulaiman qui t'y fait kufur avec Allah, mais c'est un shaytan qui vient enseigne humain comment faire la sorcellerie. C'est un shaitan qui fait kufur avec Allah et une enseigne humaine comment faire la sorcellerie sans qu'il m'appelle l'organisme. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ben là, ben shaitan, il vient enseigner humain. Qui manière, à travers la sorcellerie, pousser pour une messie qu'elle madame. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Aucun jito, aucun shaitan, pas pour capable faire personne, excepté par permission. Il faut dire Allah, avec sa volonté, lui permet. Avec sa volonté, lui permet. Volonté pas veut dire couler. Volonté pas veut dire content. Volonté n'a pas veut dire comment nous mal comprenons là. C'est à ce qu'il y a qui nous peut comprendre. Et par l'eau d'Allah, nous arrivons à la troisième session. Quatrième suyam aujourd'hui, c'est quatrième session de 10-15 minutes qui nous vient prendre. Non, ni même nous ne pouvons pas prendre quand on arrive au 15e jour. Là, nous voyons l'idée, c'est l'idée. Qui était ça? La volonté. C'est la volonté d'Allah qui nous a invités, qui s'est pour faire imam, pour faire nous écouter parole d'Allah avec un joli qira, un joli la voix. Ça ne veut pas dire qu'il se tira plus bon qu'il nous imam. Mais Allah laisse décréter, et ce qu'il a décrété, là aussi, il a sa volonté et sa permission. Pour ce qu'il a décrété, même réaliser l'air et moment qui s'est arrivé. Ok? Donc, il n'y a personne qui se commentaire et n'a valé à côté d'Allah, excepté s'il est sincère. Calcule bien avant de nous causer, chaque mot qui nous causait, puis enregistrer, et nous avons 10 bouts dans le tribunal pour répondre l'intégrité de chaque mot qui nous causait, il y en a un poids de la balance, d'un jour terrible, quand un seul mot capable de faire nous rendre dans l'enfer. Allah est en colère avec même prophète, quand il peint dire Inch'Allah. Allah est en colère avec n'importe qui s'en a, qui peint reconnaître sa volonté pour lui dire Masha'Allah. Telle a été la volonté d'Allah. Masha'Allah, ça,
Ce mot-là est un grand, grand mot terrible. Masha'Allah, par l'eau d'Allah et par la volonté d'Allah. À travers ce mot-là, il suffit pour un mu'min gain paradis. Masha'Allah, ma, veut dire tel. This is. Ma veut dire tel est. Ma, this is. Sha'a, ça qui Allah et ma sa volonté d'Allah. N'importe qui s'affaire, vous pouvez prendre le tableau, Masha'Allah. Vous pouvez expliquer, Masha'Allah. Imam Padressi est arrivé, Masha'Allah. Tu veux dire, Masha'Allah, telle est la volonté d'Allah. Attention, adoptez-le comme une phrase traditionnelle. Où n'existe la phrase-là pour gagner savoir. Mais il n'y a aucun savoir pour gagner. Savoir pour gagner quand? Le temps là trouve un raisonnement, le temps là trouve une compréhension, le temps là trouve une l'expression. De la conscience, Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Les larmes, il y en a pas l'air. Alors, cela dit, vous savez, je vais faire ma séance pour sa séance d'aujourd'hui, très très important. Là, nous verrons dans ma séance d'importance vitale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans Surah 6, rappelez ça, Surah là bien, ayat numéro 111. Sura 6, ayat numéro 111. Walau annana nazzalna ilayhimul malaika. Et même si nous, Allah touche la capacité, même si nous, nazzalna, nous y fait descendre, ilayhimul malaikata, vers ban kafa. Même si nous y fait descendre vers eux, nous prenons le tout là. Nous prenons le tout là. Walau annana nazzalna ilayhimul malaika. Et même si nous t'y faisons un ange des âmes. Vous allez dans le péguité, vous pouvez trouver un ange des âmes. Même si nous, Allah peut dire, avec nos coudras qui nous est là, nous t'y faisons des âmes, l'oseux un ange, malaika, wa kallamahumul mauta. C'est-à-dire, vous pouvez trouver un ange des âmes abnormal, miracle. Pas normal ça. Ban ange peut descendre, ban ange pas humain. Ban créature qui pour nous je représente l'exécutif bon Dieu. Même si nous t'y faisons ban ange descendre. Wa kallamahumul mauta. Et nous t'y faisons ban mot parle avec eux. Ban mot, li abnormal ça. Li ben ça fait carré, courant. Qui ban mot, il met eux dans un hasard, je n'ai causé dans un hasard. Allah dit, nous ne pouvons pas faire un mot aussi. Mais nous ne faisons pas d'ange descendre aux autres. Ou bien nous ne faisons pas de mot, parle avec eux, ou vous pouvez trouver du bon mot. Puis aller vers l'enterrer avant de nous déposer dans la base, il est dit, vous faites un salam. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pas choquer, pas tout drôle. Allah dit, même nous ne faisons pas de mot cause avec vous, wa hasharna alayhim kulla shay'in qubula. Et nous, même si nous nous rassemblons, toutes les choses invisibles qui n'ont pas visible devant vous, tous les secrets des invisibles, nous t'y rassemblons ça devant vous. Dites qu'Allah dit, ma kanou li yu'minu. Même ça, je n'ai pas de si pour amen iman. Illa ayasha Allah. Faut dire Allah sa volonté. Les Allah qui te n'a iman. Illa ayasha Allah, excepté faut dire Allah et la sa volonté. Ou peut qu'on nous valait là, on est cause n'importe. Ou peut qu'on nous valait, l'état où tu boutais devant Allah, si peut la volonté Allah là, mais moi là, iman ou pas là. Devez-moi mettre à sa volonté, pas besoin si Allah voulait. Ou mal traduit, vous dites Inch'Allah, mais dites si Allah voulait. Ramassez-le, respectez-le. Bien. Alhamdulillah, bien. Salam alaikum. La volonté d'Allah, c'est ça l'essentiel dans toute action, qu'il y a, toute action. Pour un pied, une pied, volonté Allah. Pour un crapaud, une crapaud, volonté Allah. Pour un concret, une concret, volonté Allah. Pour un humain, une humain, volonté Allah. Pas Allah ou les. Yuri ou l'a pas ça. Non. La volonté d'Allah, c'est toute
totalement autre chose. Allah, il crée, après, avant de créer, il faut dire la volonté. What is the meaning of will? Quelle est la signification de la volonté? Qu'est-ce que ça veut dire, la volonté? Ça, qui nous peut étudier là. Merci à tout l'or. Nous pouvons casser la route pour route et nous pouvons solliciter Allah sur volonté. Pour faire nous comprendre, même qui Allah, quand il vous le dit bien, quand Allah vous le dit bien, Allah, quand il vous le dit bien, quand il enseigne ça qui est là. Allah enseigne ça qui est là, fait comprendre dans Dine. Mais, premier, Allah se volonté, Allah vous le dit. Si Allah prenne sa volonté là-dedans, Allah n'a pas pour lui, même qui a une habilité pour lui vouler, il a une capacité pour lui vouler. La volonté, c'est totalement autre chose. Et nous, nous avons une volonté. Nous, volonté là, comment appeler? Allah, il a sa volonté appelée Kauniya. Kauniya. Kaun veut dire universal. Universal. Universal will. The divine will is universal will. Et une quantité parmi vous, sinon 90% parmi vous, première fois l'étant, volonté Allah appelle Kauniya. Première fois l'étant ça. Ah ben nous, nous volonté comme appelle. Et Allah se volonté universelle. Allah se volonté qui englobe l'univers, qui englobe les cieux et la terre. Tout ce qui est entre les cieux et la terre, c'est créature Allah. Allah se volonté qui englobe l'univers tout entier. C'est sa volonté là qui peut dire, même nous y faire descendre aux autres par ange, ou bien nous y faire par mort, pas avec eux, ou bien nous y dévoile tous les secrets des invisibles. À eux, jamais eux ne peuvent pas venir mal, excepté fondé à l'arena, sa volonté. Rendez-vous demain, nous pour continuer cette chambre. Nous remercions Allah, honorable, autant de propriété et de créateur de nos cerveaux. Ô toi, le propriétaire, le créateur de nos âmes, de nos liquides, qui fait nous comprendre, nos cerveaux qui fait nous raisonner, et nos âmes qui rendent nous conscients, nous déclinent. Nous n'avons pas pour capable de comprendre comme une créature qui donne interposé dans nos systèmes de fonctionnement, mais nous dépendons entièrement de ta volonté, de voir de ta volonté en nous, pénétrer dans nous l'intérieur, et mettre en valeur ta volonté, faire nous soumettre. Devant ta volonté, en d'autres mots, fais-nous venir un vrai islam. Rabbana wa ta'alna, muslimina laka. Ou Allah, fais-nous venir un vrai musulman qui soumet totalement avec nos volontés à ta volonté. Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidu majid. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وليكم الله كازلا.